Bonjour, bonjour à toutes, avec plaisir comme ils retrouvent vous autres, tous les matins du lundi au vendredi pour se causer la réunion, un point sur l'information notre pays, l'information nationale et internationale. Mi souhaite à de bonjour, c'est de la Vienne, connecte à Zot sur Télécréole, elle est là depuis un bon moment avec nous, et aussi sur les réseaux sociaux. Nous l'est bien aujourd'hui, mercredi, hier, comme d'habitude, m'a descendu un jour, je pensais que c'était lundi, le week-end était tellement long, mais merci à Fabiola de Saint-Pierre, bonjour, je me trompe le jour, bon, merci d'écouter bien attentivement ce que Midi fait, plaisir quand même de voir que Zot est là, voilà. Et puis juste avant là, avant de commencer, m'y rappelle à Zot des messages d'arnaque que nous y a sur les pages où ça, il parle à nous que Jésus, les grands Jésus a fait gagner à Zot 50 000 francs CFA, 50 000 francs CFA, c'est rien. Hein, du côté de l'Afrique là-bas, nous a des bandes marabouts là-bas qui lancent ces bandes de messages là sur notre page. Alors, tiens, précise à Zot, ne pas faire un cas avec ça. Fais attention, ne pas faire arnaque à Zot, surtout avec ces bandes numéro du 225, 229 là, ils sortent là-bas du côté de la Côte d'Ivoire et qu'ils commencent à piluler un petit peu sur les réseaux sociaux. Elle a toujours été là, donc l'autre là-bas il parle de son fille, Jésus la sauve son enfant, patati là, 50 000 francs, viens chez lui là-bas, mais fais très attention ces bandes de messages là. Et puis dernièrement on avait vu un message là-dessus, c'était qui parlait de la guérison du sida, de la guérison de toutes sortes de qualités maladies, des bougs et des formes que la pointe plaisir, l'amour, la puda, tout ça, son banaï fait gagner, fais attention à ça, ne pas faire un cas avec, donc ces derniers temps, Miwanena est à con là-dessus, et bon, mais ça pas demande à Zot de ne pas mettre ça là-dessus, parce que vous connaissez Man Moon, certainement, il comprend pas le français, il comprend pas le créole, donc Zot est là pour lancer des messages comme ça, alors ça c'est des messages d'arnaque, évite surtout, on a des gens qui ne font colle à Zot là-dedans, mais évite surtout d'aller répondre à ces messages-là, faut pas faire un cas avec, en tous les cas, si Zot avait gagné tellement d'argent avec ses manes, si Zot avait vraiment beaucoup d'argent et que Zot était fort pour guérir telle chose, telle manière, Zot n'aurait été pas en misère à demander à nous souplir sur Facebook, hein, envoyer des petits messages comme ça pour l'arnaque. Allez, les fermières, en tous les cas, fais attention, ne pas donner Zot code bancaire, ne pas donner rien qui appartient à Zot, pas donner Zot toutes les autres bandes coordonnées, tout ça là. On a des gens qui seraient tentés à dire, mais ça gagne ici, voilà, c'est ça, c'est dans le temps longtemps. Banat il dit aux sorciers, t'es fait l'argent là. Mais Banat n'a pas changé. Banat il dit aux commandants, t'es fait l'argent aussi avec ou d'azote 20 euros, t'es donné à ou 60 euros, 100 euros, hein, t'es multiplié par 2, par 3. Ça c'est simplement, faut faire très attention à ça. Voilà. Mais ferme la parenthèse là-dessus. Nous est parti avec des choses encore plus intéressantes encore sur l'actualité dans notre pays, la Réunion. Et puis rappel à Zot, le 29 juillet dernier, au cœur de la résidence de la Chemière à Saint-Denis, Natania H l'a expliqué au policier que son conjoint qui venait de mourir, rappelle, nous avait entendu parler de ça, il nous a parlé aussi dans le journal, il venait de mourir poignardé et agressé par des hommes de l'extérieur de l'appartement. Les marmailles de 9, 7 et 2 ans l'avaient raconté la même histoire, mais rapidement cette version n'a pas tenu le coup, hein, donc voilà, aucune trace de sang n'avait été retrouvée en dehors du logement où le père de famille l'a succombé à coups de couteau en plein thorax. En revanche, dans le salon, là, le sang était bien présent sur le t-shirt de la compagne qui a été placée en garde à vue, la Mahoraise de 25 ans, qui est née en 1996 à Kanikeli, qui était restée sur la même ligne. Ce mardi, devant les magistrats de la chambre d'instruction, la vingtenaire, il faisait appel à son placement en détention provisoire suite à la mise en examen pour meurtre sur son conjoint. Il a déclaré, assumé, et que lui reconnaît qu'il n'était pas volontaire. Bon, après, à force de Mayalu, il a reconnu, hein, donc à force des questions, la police y pose, donc il y a plus un petit peu de l'autre côté là-bas. Et ce que lui voulait faire, c'était, Banaï dit que l'avocat, que les avocats en règle générale, Banaï trouve des circonstances atténuantes, hein, l'avocat de la défense, tout ça, et les deux, bataillent un peu ensemble, chacun veut gagner le procès. En tous les cas, le président de l'audience, il précise qu'elle est venue refuge elle là à La Réunion, où elle était presque sans domicile fixe. Et ce qui se passe dans cette histoire-là, elle voulait, en attendant qu'il juge les affaires bien comme qu'il faut, de l'SAL en
liberté. Donc maintenant, dit non, pourquoi ça? Parce que la peur que la personne y décale là-bas du côté de Mayotte, y arrive, Rodaï Troupia du tout. Donc voilà encore un drame familial qui est dû à l'alcool dans le ménage et aussi des drames familiales qui arrivent un peu trop souvent ici, La Réunion. Et comme il parle d'y arriver La Réunion, mais il pense qu'il arrive un petit peu partout. Hein, après trop longtemps, on a vu là, cette semaine même, hein, donc on avait un jeune marmaille qui l'a décapité son papa là-bas du côté de la France là-bas. Voilà, c'est encore des drames qu'on a malheureusement partout dans le monde. On est parti à mardi 16 août, le jour de la rentrée scolaire. Bah oui, c'était mardi hier avec les collégiens, tout ça, les rentrées, la partie à l'école. Donc là, il y a eu un peu de râlage, un peu de monter, crier un peu. Il y avait de nouveaux petits marmailles qui rentrent de l'école aussi. Bon, t'es pleu un peu. Bah, c'est un brise-cœur pour les parents que les habitués à touquer ces enfants en l'air. Et là aussi, il faut bien aller à l'école pour apprendre, pour réussir sa vie. Midi. Comme il parle réussir sa vie, ça a vu m'a ralenti un petit peu, réussir sa vie, là c'est compliqué maintenant. Même que ça va à l'école, il arrive à un certain moment que retrouve à haut, même point que vous n'avez pas parti d'école. Autant mieux être instruit, les super bien. Voilà donc. Et puis l'école aussi, s'il nous reste sur l'école, on a vu dans le journal là, certains journaux, ils parlent de personnes que les déportés, là, les professeurs, les futurs professeurs, il y a aussi un concours national, ils tirent les bonnes mounes que la gagne d'autres concours ici, soi-disant, ils ont comme la priorité à l'emploi régional, donc apparemment, les bonnes personnes, les déportés là-bas du côté de la France, c'est le cas d'une personne, là, on m'avait vu sur Internet, là, sur le journal, où ça, l'écrit, parce qu'il faut obligé de laisser son enfant avec son mari ici La Réunion pour aller enseigner ailleurs alors qu'ici La Réunion on a la place les libres, hein, il manque des enseignants et lui envoyer des mails à l'éducation nationale pour justement essayer de pallier à ce problème là, dit non, pas répondu du tout dans certains instituts, elle a pas répondu du tout, dit il faut aller là-bas et heureusement qu'elle ait conscience, un concours national et tout ce qui passe dans l'administration en règle générale, il trappe et envoie en France là-bas. Nous avons bien compris pourquoi ils ont envoyé en France, parce que toutes les bandes d'allons, ils sortent de la France, là-bas, ils viennent ici et ils gagnent les surprimes là pour venir travailler, alors que La Réunion, il serait très facile d'embaucher des Réunionnais pour bosser dans ces affaires-là. Du coup, nous revient sur une autre affaire-là avec les lycéens de La Réunion, là, que la rentrée aussi, toute la bande la rentrée. Hein, pour cette nouvelle rentrée scolaire, année scolaire, La Réunion, il place l'éducation et la formation des jeunes au cœur de son ban de priorité, hein, comme d'habitude, alors que la collectivité, c'est banal que les compétentes en la matière de gestion de lycée, hein, donc elle y déploie des dispositifs pour accompagner les élèves. Ce mardi, c'est au lycée Évariste de Pargny de Saint-Paul que la région l'a décidé de présenter ses bonnes mesures sur la rentrée. Hein. Cette année, la région l'a annoncé que les manuels scolaires sera gratuite pour l'ensemble des lycéens de Lille. Voilà pour les affaires. Encore d'autres mesures, hein, il y a tellement de mesures que Banaï donne là-dessus. Là, c'est un moment, on a un peu ça dans les oubliettes. Bon, il y a des mesures que Banaï met en place, intéressant. Hein, donc voilà. Et ma part, entendu parler cette année des ordinateurs que Théi donne là. Mais il pense que il doit donner aussi encore. Donc voilà un peu. Donc la région participe là-dessus. Mais quand on a fini bien travailler ou les au lycée ou quitte le collège au lycée, mais là où le bas blesse, c'est quand ça va dans les grandes structures. Et c'est là que là c'est la croix là-bas. Il y a pas trouvé des aides là-dedans. Nous avons aussi les frais de... Justement, je me parle de la croix et la bannière, c'est que les frais scolaires, rentrée scolaire, ils augmentent considérablement, en 2022 pour les étudiants en raison de l'inflation et les répercussions de la crise sanitaire. Hein. Ce qui prévient mardi la Fédération des associations générales des étudiants, le FAGE, qui publie dans son baromètre annuel, hein, « Je n'ai jamais connu une telle augmentation d'une année à l'autre ». C'est ce que l'a été Paul Maillot, président de la FAGE, hein, première organisation d'étudiants, une conférence de presse que lui a fait là, que vous avez fait là-bas, la hausse, elle est en effet assez fort, assez fort qu'elle a enregistré, hein, donc pour la 20e année qui suit, hein, de tous les ans, il augmente, là, et comme partout, hein, donc toutes les bonnes affaires, il augmente, hein. D'après le baromètre, il y a le coût de la rentrée scolaire, il intègre les frais de rentrée, les frais de la vie courante, qui augmentent de 7,38% en 2022 par rapport à l'année passée, hein, donc la hausse de 1,32% à la rentrée 2021. Il porte aussi le coût moyen de 2527 euros par étudiant. Donc voilà.
La cause de ce véritable flambé, Banaï Diagne, c'est les frais de rentrée scolaire qui connaît cette année une augmentation de 13% pour un coût moyen de 1 307,20 €. Donc en détail, on a les frais que les liés au matériel pédagogique qui augmentent de 15,82%, les frais de logement 11,83% et les complémentaires santé, il faut payer tout ça, 32,21%. Et il y a où comme ça qu'un étudiant devra débourser en moyenne 411 €. Il joue même les centimes aussi, malgré que les centimes ne comptent pas trop. Donc pour l'année, pour sa couverture scolaire, tout ça là, pour l'année 2022-2023. C'est vrai que nous entendons parler beaucoup des aides, mais il y en a des aides effectivement. Là maintenant, il faudrait que Banaï rouvre un peu le canet, tout le monde y mette les autres en face, face à face, et puis ils discutent correctement sur ça, parce que nous voit dans la presse, on est un peu y annonce que les pas bons, on est un peu y annonce que les bons. Alors nous, on a des mesures qui disent à nous qui aident ces bonnes personnes-là, et on a des mesures qui aident pas non plus, et les personnes que les dans le cas présent, dans le cas même, elles ont des difficultés. Et nous l'a vu aussi par rapport à certains étudiants qui étaient bloqués en France ou surtout à l'étranger, parce que chaque année, nous avons ce même problème-là. C'est qu'on a des étudiants qui ça va vers le Canada par exemple, et les aides ils prend du temps, même en France ils prend du temps, et c'est bonne moon là, c'est bonne marmaille là que les autres côtés là-bas, les parents ça n'est pas l'argent, ils sont obligés de débourser, et ça n'a pas l'argent, il est dans la misère, obligé de prêter, aller rodailleurs partout pour pouvoir mettre cette marmaille correctement à l'école, alors qu'on a des aides normalement entre guillemets elle a été votée qu'on a du mal à arriver sur le compte des personnes. On peut dire à vous aussi que c'est vrai que tu as l'argent dans le compte de l'État, là, c'est dans le compte de ces bonnes institutions là, c'est compliqué parce que comme Banaï Diaw, la France est une des administrations les plus compliquées, les plus longues qui existent sur la planète. Donc apparemment, donc pour gagner 1 €, il faut dépenser en papier par exemple. Si on est à 100 €, il faut dépenser 50 € en papier, en paperasse, en démarche, en affaires pour gagner 100 €. Donc on est toujours en pièce de 50 €. Il est toujours un maillage dans l'eau, alors que normalement quand il vote des lois comme ça, il doit être systématique. Après, ils montent à nous aussi dans ce rapport-là, c'est que on n'a pas confiance aux gens, hein. Donc, ils n'aiment pas trop donner, ils préfèrent battre la langue, comme il dit, causer, dire, nous ça fait, nous ça donner, il vient, par exemple, déjà là, il donne à Zot un exemple, par exemple, les personnes qui rentrent dans la vie active, pour les personnes handicapées, quand ça va dans les structures pour faire, il fait une demande, nous a des cas, pas mal de cas de personnes qui envoient à nous, qui disent à nous, demande pour avoir cette allocation, il reste des fois 6 mois avant que la CAF y traite, avant que la MDPH y traite, donc le temps que il râle le train à gauche, à droite. Mais si le monde n'a pas mangé pour manger là point ici, il fallait demander des bons à la charité là-bas du côté de la Croix-Rouge, ou sinon ça, aller dans certaines associations pour demander, alors que les affaires ont été votées, les prévus pour être là, et personne n'y bouge pas non plus, si jamais la personne s'est demandé, par exemple, il y a besoin d'une affaire, dire, monsieur, madame, attendez, nous de l'argent, là, nous comprenons pas, les affaires, elle a fini virée, nous comprenons pas. Nous n'avons pas gagné le papier en même temps que les autres, nous n'avons pas gagné le papier en même temps que nous. Alors, c'est un maillage le plus complet. Là, c'est des cas qu'on avait entendu après trop longtemps. Et il y a beaucoup de connus. Alors donc nous n'ina ma montre qui perturbe vraiment parce que dit cause avec moi en même temps que mes causes exotes. Donc voilà. Faudra peut-être arrêter avec les bons systèmes où ça où ça nous les pris dedans, hein. Donc au lieu de dire à nous que les bons les pas bons, mettre en place une affaire qui est assez correcte. Allez, nous les partis avec Saint-Louis. Saint-Louis, c'est un endroit assez intéressant, hein. Donc Saint-Louis, c'est quoi l'intéressant? Saint-Louis, il fait parler de lui pas mal. Et puis, tu vois, moi, un petit peu, mais je sais pas si le flux passe bien de l'autre côté là-bas. François fait un petit geste, hein, donc en message. Saint-Louis, le tribunal administratif de Saint-Louis qui oblige Juliana Mdouama de fournir un local à l'opposition. Cyril, l'opposant en 6000 carreaux, l'a déposé un recours au tribunal administratif contre la maire de Saint-Louis qui n'a pas toujours donné de local à la municipalité, à l'opposition, donc la municipalité
d'après ce qu'il dit, elle est obligée de donner un local administratif. Le maire en a 3 mois selon la loi pour conformer à la loi, mais apparemment, c'est une histoire que il date depuis un moment. Si tu peux aller lire ça dans les infos, il y en a mes informations là-dessus. Ben, il montre à nous que quand ils rentrent au pouvoir, chacun il s'en va de l'autre côté, et arrivé à un certain moment, personne veut faire un cas avec notre camarade là-bas, il fait un peu la guéguerre entre eux, est-ce que c'est normal? Normalement, c'est pas normal. Bon, après, voilà. Allez, nous, on est parti avec le gouvernement qui l'a annoncé une prime exceptionnelle de 100 euros, une prime de rentrée, c'est la prime Macron à peu près, hein, par foyer. 50 euros supplémentaires par enfant sera versé dans le courant du mois de septembre 2022 aux bénéficiaires des minima sociaux, des APL, de la prime d'activité et aussi aux étudiants boursiers, d'après le ministère de l'économie et des finances, de la souveraineté industrielle et du numérique. 10,8 millions de foyers les concernés par ce coup de pouce, hein. La prime de rentrée exceptionnelle, il ajoute à l'allocation de rentrée scolaire qui concerne tous les parents et les enfants qui n'ont un âge d'aller à l'école. Donc, une aide pour lutter contre l'inflation. Une prime de rentrée qui fait partie de la loi pour le pouvoir d'achat qui va coûter, comme on avait dit les autres, 1,1 milliard d'euros à l'État. Cette aide va concerner ce qui souffre le plus de l'augmentation des prix de l'alimentation, du carburant ou encore de l'énergie. C'est ce qu'a affirmé le ministre de l'économie Bruno Le Maire le 4 août dernier. Sur une radio là-bas en France, sur RTL. Il était injuste de priver à des millions de Français et à des gens qui appartiennent à ces classes sociales-là. 14% de pauvres, c'est ce qu'il a déclaré là-bas sur la radio. Nous les partis avec la Chine avec son taux de natalité qui est au plus bas, la population qui devrait diminuer d'ici 2025, hein. Le pays le plus peuplé de la planète est confronté à une crise démographique avec une population active, que les vieillissantes, une économie qui ralentit l'économie et la croissance, hein, on a quand même pas mal de choses là-dessus. La plus faible des ces dernières décennies depuis la Chine a mis fin à cette politique en 2016, a mis fin à cette politique de un enfant unique là, et puis l'a autorisé à jusqu'à 3 enfants par couple, hein, voilà ce qui se passe de l'autre côté là-bas. Mais apparemment les Banfang chinois et Banbuk chinois ne veut plus trop faire des enfants du tout. Et me rappelle à Zot que la Chine, c'est le pays le plus peuplé du monde, hein, avec une population vieillissante. Bon, ils ont besoin de la jeunesse. Et nous avons vu aussi un article, si on avait parlé à Zot, il y a 2 mois de ça, c'était les hommes, ils trouvaient plus de femmes. Parce que Banal était pour, quand on avait parlé d'enfants uniques, Banal était surtout pour des... pour des mâles, hein, du sexe masculin, et les sexes féminins, ils voulaient pas. Donc il arrivait un gros problème avec ça, et du coup les badboug en Chine là-bas, c'est atteint dans certains contrées, t'es obligé de prendre des poupées en silicone pour pouvoir remplacer bonne forme là, parce que t'avais un manque de forme. Donc l'industrie l'a bien marché là, avant d'azote ça, c'est pas une blague, hein, c'est ça, hein. Donc la Chine qui dit maintenant à le ministère de la santé, il appelle les autorités locales à dépenser davantage dans la santé reproductive et améliorer les services de garde d'enfants. C'est là que Manaï comprend maintenant qu'il faut faire beaucoup d'enfants. Et ben comme c'est le pays le plus peuplé du monde de l'autre côté là-bas, et faire beaucoup d'enfants, il risque déjà de poser un gros problème par la suite là. Voilà un petit peu. Disons tous les pays du monde quasiment, ils veulent plus trop faire de marmaille. Pourquoi ils veulent plus faire de marmaille? Parce que ils ont la vie, le coût de la vie comment il est, ils ont la vie, les problèmes que nous les a. Et la France aussi, il est un peu pareil aussi, hein. Il filme des mariages, il fait des mariages, il fait des mariages. Il a remarqué que les bonnes mères, les bonnes agents qui fait notre mariage, il dit à Zot, faites des enfants, faites beaucoup d'enfants parce que il manque marmaille dessus la terre.
dessus la Réunion. Faites beaucoup d'enfants parce que la population est vieillie aussi, donc il faut faire. Mais quand lui dit ça, lui dit comment attention, fais avec modération. Et quand lui dit le Zafé aussi, bah lui dit faut pas dire trop fort parce que il dit on a trop de marmailles dessus faire. En gros voilà le que ça se passe un petit peu. Nous les partis, nous ferme la parenthèse, on aura bien sûr à la Chine. Bah là nous on parle beaucoup de la Chine là-dedans, on a quand même pas mal de choses. Donc allez, nous les partis en Iran, Claire a renvoyé sa réponse sur le dossier nucléaire à Joseph Borrell, chef de la diplomatie européenne, en posant ses conditions donc l'Union européenne apparemment l'a firmé le texte qui a été présenté définitif hein, et c'est à prendre ou à laisser ce que Manaï dit. La réponse de Téhéran que l'avait envoyé là-bas du côté des États-Unis, elle avait envoyé le papier pour dire comment bon ben l'Iran n'est pas ses préoccupations à propos des plusieurs questions et toujours en suspens hein, sur la question sur les occidentaux qui pourraient pas régler donc manaient pour faire avec d'autres affaires sur place, donc on a besoin de l'énergie nucléaire. Et mais ce qui tracasse les États-Unis là-dedans, c'est que l'Iran il fabrique la bombe nucléaire un peu comme certains pays qui dit ah oui je fais pas ça après fabrique. Et donc si l'Iran par exemple il met à avoir sa propre bombe nucléaire, et là il risque d'avoir des gros problèmes pour la planète, il risque de péter encore deux fois plus encore hein. S'il a la bombe nucléaire, il en a une des clés du pouvoir dans la main hein. Un peu comme vous avez vu la Russie comment il est, vous avez vu la Chine comment il est, vous avez vu l'Inde comment il est, vous avez vu tous ces bons pays qui ont la bombe nucléaire. Ben là il fait peur, ben là il dit à où, et ben là il dit au combat, ben si vous fatiguez azote ou vient en merde azote chez azote, vous faites péter les affaires. Donc là en gros pour l'histoire de bombe nucléaire, donc Téhéran il dit au combat, il y a besoin de ça pour c'est maintenant vu l'énergie nucléaire, on a besoin pour faire, dire aussi pour l'énergie, pour les affaires qui tuent le monde, pour bonnes affaires, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin d'électricité, ils ont besoin de toutes ces affaires-là, ils ont besoin pour la science, ils ont besoin de tout ça-là. Mais derrière, c'est un pays de l'autre côté, nous connaît, il est un peu comme l'Afghanistan, hein, il dit que ça doit faire comme ça, après il fait pas, et après tout le monde est pris dedans. Voilà, en gros, les États-Unis, ils ont quand même un gros pouvoir sur le monde quand nous regardons. Même en France, quand il fait des décisions, si Manal a décidé de bloquer, il est bloqué. Hein, donc. Et puis, il faut bien dire aussi que la majorité des transactions, c'est des transactions que les faits en dollars. Et tout le monde a basé sur le dollar. Le jeu des États-Unis dit allez, pof, nous arrête avec ces histoires-là. Mais tout le monde y bloque. Hein. Voilà un peu. C'est comme pas mal de pays, comme la France a dit comme ça. Mais maintenant, après la crise Covid, dit ça développer des entreprises, tout dit ça revenir en France, des trucs comme ça. Mais nous on voit pas. Hein, donc c'est des affaires qui a été causées là-bas de l'eau dans le vide. Ben toutes les toujours été les produits par des pays chinois, les pays ailleurs. Et donc quand il arrive un problème avec ces bonnes pays-là, ben ils bloquent tout. Et puis le monde est pris dans le malaisé. Les problèmes de nouvelle dans la zone océan Indien, là, avec les problèmes d'approvisionnement en gasoil, qui persiste pour trouver du gasoil, est devenu un véritable calvaire pour les vacanciers qui a choisi de rendre azote du côté de Majanga, pour les automobilistes des hautes terres centrales aussi, hein, en Tananarivo et en Tirab. Depuis le week-end de lundi dernier, plusieurs stations-service, les ASEC, les compagnies Jovena et Total, qui souffrent particulièrement depuis vendredi dernier, hein, mais aussi la station Shell aussi là-bas, les prix dedans. Et les autres stations, la vie aussi azote, des difficultés dans des problèmes pour approvisionner azote. Hein. Donc Manaï parle pas de manque de gasoil vraiment. Manaï dit à nous que c'est un problème, parce que la partie à Madagascar, tout ça, là, bon, peu de l'autre côté, écoute à nous. Alors donc, c'est un déséquilibre d'approvisionnement qui concerne les compagnies pétrolières de Jovena et Total, hein, qui a causé un retard à l'arrivée des bateaux qui transportent des approvisionnements de carburant. Donc, le temps qu'elle est bien arrivée dernièrement à Toa Massina, donc avec 60 000 mètres cubes de gasoil, mais il faudra encore attendre encore un peu pour les stations de la capitale, Antsirabe par exemple, les approvisionner, hein, le temps de charger les camions citernes et de livrer dans ces villes-là, c'est ce qui explique une source officielle malgache des hydrocarbures, l'OMH. Alors nous, on est là aussi, Madagascar aussi, nous reste de l'autre côté là-bas avec la société
public ferroviaire Fiananransoa, donc de la côte est aussi, qui est aussi appelé le FCE. Donc, il trouve à lui dans l'impasse. Les employés, les riverains de ce ligne-là qui traversent ces deux régions-là, les en détresse. C'est après cette ligne-là, ils participent à l'activité économique de la zone. L'activité, il dépend aussi des trains. Donc les salariés, les en grève, cela n'a pas été payé depuis plus de 10 mois, depuis le mois de novembre 2021. Et donc, ils ont décidé de poursuivre la grève qui a commencé il y a un mois. C'est bon dernier, ils réclament au ministère des tutelles du ministère des Transports le paiement de notre salaire. Donc là c'est compliqué hein, donc Pouzotte. Et puis nous va aller aussi là avec l'affaire de la diplomate sénégalaise qui a été apparemment molestée, arrêtée au Canada. Il continue, l'ambassade du Sénégal à Ottawa l'a démenti dans une note d'information les accusations de dégradation de logement, violence avec policiers, avec d'arriérés de loyer, qui dénonce aussi la violation flagrante de la demeure privée de son agent diplomatique. Il aurait été tabassé par les policiers québécois d'après le Sénégal. D'après l'ambassade du Sénégal à Ottawa, Oumou Kamou Salnyang aurait loué en 2018 une maison avec des défauts de fonctionnement, système de chauffage, absence de climatisation, dégâts des eaux. Tellement de problèmes que lui a loué grand. Maintenant qu'on a des problèmes comme ça, il faut pas louer. Hein, donc, il réclame à elle, parce que là, partie, je sais que ça, elle est partie dans les autres affaires. Il réclame à elle $57,000 canadiens pour couvrir les frais de reconstruction de la maison. Hein, donc, et puis l'huissier débarque chez elle. La police débarque chez elle, la route bataille avec, d'après ce qu'il dit, elle attrape elle, la poids qu'elle aime, le mettre en don, et donc voilà. Nous allons parler de ça, si vous êtes intéressé, dis-moi un peu plus tard, hein, Donald Trump, il voulait parler, nous a parlé pas mal de choses, nous va revenir là-dessus, puisque le temps, il passe vite, et maman, elle est partie avec Gramoun l'a dit, c'est tous les matins, Gramoun l'a dit, l'argent, il trouve pas sous le roche. Voilà, ça, c'est à méditer pour aujourd'hui. Pour la réunion, beau temps avec des nuages, l'après-midi, Néna, il y a un peu de nuages, peut-être un peu de pluie par-ci, par-là, du côté de Saint-Benoît, partout par là-bas. Et puis, nous, on a aussi Mayotte, on a du beau temps et quelques nuages. Maurice, les nuageux. Et dans l'après-midi, probablement de la pluie. Voilà, ce que faisait la réunion, on l'a fini. Merci d'avoir suivi ça. Tiens, bossez la PAM. Dans notre rendez-vous demain matin à partir de 6h pour une nouvelle édition. Allez, bonne journée à Zot, à l'écoute des programmes de télé créole.